Allez, nouvelle série de vidéos, toujours dans le même esprit comme Beam and J-Drive la semaine dernière. Cette fois-ci, on va s'attaquer à Bus Simulator 2018. Je vous le dis tout de suite avant de commencer, il y a sûrement des experts de Bus Simulator qui vont regarder cette vidéo. Moi, pas du tout, je la découvre avec vous. C'est mon gamin de 6 ans qui joue à ce jeu et je le regarde faire, je l'aide de temps en temps, mais je ne joue pas et je vais le découvrir avec vous. Alors, Bus Simulator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui est édité par Astragon. Astragon, bien entendu, c'est ceux qui éditent également Farming Simulator en Allemagne. Donc, vous voyez un petit peu le rapprochement, pourquoi je me suis intéressé à ce jeu-là. Parce que j'ai eu l'opportunité de l'avoir et du coup, ça m'a intéressé de voir un petit peu comment il fonctionnait. Donc, c'est un jeu qui tourne sur l'Unreal Engine. Donc, forcément, qui dit Unreal Engine dit un jeu qui va... Il y a de grandes chances d'avoir de la gueule. On va voir ça. Là, je me mets en élevé. Alors, je crois qu'il y a une config encore plus élevée, mais je vais y aller doucement sur les options graphiques parce que là, j'ai pas ma config de tueur là sous le coude. Donc, j'y vais doucement. Bon, je joue quand même en Full HD et ça passe plutôt bien. En audio, il n'y a rien de spécial. Et les commandes, je vous conseille d'aller tout de suite vous remettre en clavier français parce que par défaut, on est configuré en clavier américain. Bon, on va s'attaquer directement au jeu. Alors, je vais faire comme si je venais d'installer le jeu. Je vais faire une nouvelle société. Donc, par défaut, on vous... je vais l'appeler Simulagri Essai. Par défaut, donc on va vous faire un tuto. On va le faire parce que moi j'ai vraiment besoin de me remettre le nez dedans. Hop, créer. Donc on va configurer son pilote. Donc le but, hein, vous avez bien vu, c'est une simulation. Le but, c'est de faire prospérer son entreprise. Donc oui, on va faire le tuto. Je vais, pour cette première vidéo, je vais pas m'embêter. Je vais faire comme si je lançais le jeu pour la première fois. Donc je vais vous présenter le mode tuto. Donc vous allez voir, il y a une hôtesse qui va venir me guider sur tout ce que je dois faire. Et c'est parti, on attaque direct, je vous laisse lire et puis écouter un peu ce qu'elle dit. Anyway, look at this sweet Mercedes Citaro K. Straight off the lot over in Sunny Springs. Of course, it's a smaller model, but I'm sure everyone in town will be hopping onto this bus and our little project in no time. On peut configurer plusieurs vues, mais bon, forcément, c'est la vue quand même intérieure qui nous intéresse le plus. Alors là, elle va me demander voilà, de refaire des essais, de voir un petit peu comment ça se passe avec la vue. On peut... Je vous conseille d'y jouer au volant. Moi, je suis au clavier souris. Là, j'ai pas branché mon volant, mais au volant, c'est quand même plus sympa. I think you may be a bit taller than the driver who delivered the bus. Don't forget to adjust your seat after you've started up the engine. Are you ready to bring public transport back to Seaside Valley? Great! Then release the parking brake and let's head for the exit. Allez, on attaque. Oh, before I forget, I've got a little surprise for you. Just follow the route on the GPS. You see, my predecessor wasn't a fan of public transport, which is why they shut it down in the first place. In Sunny Springs, where I used to work, we collaborated closely with the local bus company, which improved the satisfaction of our residents significantly. Au passage, vous voyez les effets de lumière. Là, on est bien sur l'Unreal Engine, on voit bien tout ce qui est reflet de carrosserie, effet d'éclairage, c'est assez saisissant, c'est beau, ça a de la gueule. La ville en elle-même, elle est quand même bien faite. Le top du top, c'est quand il pleut, on a des reflets pour ceux qui suivent la page Facebook. J'ai mis il y a quelque temps une capture d'écran justement de Bus Simulator en mode pluie et c'était absolument bluffant.
Bon, là, j'apprends à conduire, hein, globalement. Elle va me dire comment mettre les clignotants. Ah, c'est vrai que c'est dur. Et puis, elle m'explique un petit peu le principe du jeu. Donc, c'est d'aller chercher des passagers. Bien sûr, d'aller les transporter dans un autre endroit de la ville. Et à la fin, de rentrer au garage. Et puis, bah, compter ses sous. Parce que, bon, comme encore une fois, le but du jeu, c'est de faire de l'argent. Allez, on va s'arrêter au premier arrêt. On va ouvrir les portes, porte avant, possibilité d'ouvrir la porte arrière, le bus bascule tout seul. Hello everybody. Good morning, Miss Tannhauser. Glad you could make it. On peut se mettre en vue extérieure pour voir un petit peu s'il y a encore du monde. Sam, how's your daughter? Du monde à l'arrêt. Thanks, Mira. She's been really busy lately. Oh, she's rather lively, isn't she? Glad to have you here. Everybody, please take a seat. We'll be departing shortly. Now, this is the hard part. Do you see that clock? Do you think you can make it to the next stop in time? I'm so glad so many people have turned up just for this little test drive. They really seem pleased with the prospect of once again having a working public transportation network. It's going pretty well so far, isn't it? The next stop is right over there. Aubrey and I moved here a while back. We found a great apartment just up that street. And we've really been enjoying the neighborhood. There are a couple of great restaurants around here. Donc là, les gens descendent. Vu le monde qu'il y a dehors, à mon avis, il y en a quelques-uns qui vont me demander un ticket. Sûrement. Non, même pas. Bon, il y en a un autre qui veut passer par derrière. Speak of the devil. May I introduce you to my fiancé? Hey honey, the neighbors asked. Et donc là il reste coincé, donc on va peut-être faire l'engueuler un peu. Send them my regards. Pousse-toi, merci. Au niveau des commandes, il est très très simple à prendre en main. Quand vous lancez le jeu pour la première fois, ce petit tuto là vous permet vraiment de prendre en jeu, enfin, prendre en main le jeu très très rapidement et très simplement. Alors il n'y a pas de dégâts en soi, c'est-à-dire que là si je fonce dans quelque chose ou dans quelqu'un, la seule chose que je vais avoir en fait c'est un gros dégressif sur mon compte en banque. Et ça, c'est pas bon du tout pour la boîte. Love to walk this promenade in the summer. You always have a light breeze. And the trees offer some shade, and the river's close by if it gets too hot. Our next stop is over there. Oh, sorry. I'm just super excited. Alors le jeu est tellement bien fait qu'il prend même en compte les personnes handicapées. Donc là on en a un qui est en fauteuil roulant derrière, il va falloir lui sortir devant. Et puis bah, là j'en ai un qui veut un ticket, donc une petite touche, une petite pression sur la touche contrôle. Et on regarde en fait ce qu'il veut. Donc là il veut, hop, alors j'ai pas vu en fait ce qu'il voulait, mais elle va me le dire. Donc ticket simple. Hey, I didn't think you'd show up. Donc il demande un ticket étudiant et il en veut un seul. On imprime, il va nous donner la thune et ça nous indique ce qu'on doit rendre. On a un monnayeur ici, 1, 2, 3, 4 et 20 centimes. Et puis c'est parti. On appuie sur la touche contrôle et on sort. Donc là normalement on a toujours un mec dehors, hop, qui demande la rampe, une pression sur la touche G.
Could you lower the ramp so they can board the bus? Et il arrive. Thank you so much. Having buses will make it so much easier for me to get... This is going quite well so far, isn't it? I think we can move along now. The Lido is a really great place for a bit of relaxing leisure time. There are nice rest areas, and for a reasonable fee, you can get a wonderful massage. There are even a couple of people I don't know here. It seems word has gotten around. Et oui, dans Bus Simulator, et ben, il faut aussi être patient. Parce que ben, des bouchons, ça arrive. Et quand il y en a, et ben, y a pas le choix. Quand on est coincé dedans, on est coincé dedans. Si vous voulez vous amuser, si vous prenez dans GTA et puis que vous avez commencé à couper n'importe où, ben, je pense que c'est pas la peine de jouer à Bus Simulator. Vous allez vraiment perdre votre temps et votre argent. Non, non, on est vraiment en présence d'une simulation et il faut pas faire de con. Bon, au passage, regardez un petit peu la déco, les bâtiments avec les super reflets dessus, c'est absolument magnifique. Hein. Là, l'Unreal Engine prend son pied. Ah, this is our terminal store. All passengers must disembark the bus here. After that, we'll drive to the garage to park the bus. To everybody who's still on board, I want to thank you for participating in this drive. With your support, we'll bring public transport back to Seaside Valley. Excuse me, can you help me get off the bus again? Oh, of course. Would you help the passenger in the wheelchair to get off the bus again? I think that's everyone. The route to the garage is marked on the GPS. Let's head there and call it a day. We've been talking to some graphic designers to create some decals and wraps to customize our buses. Hopefully, we'll get some design submissions soon. Everything's all set up over there. Well, all in all, I think that was a rather successful maiden voyage. Wouldn't you agree? Congratulations. Let me just collect my things. We've put some systems in place so you can start planning out routes and growing our little project. Let me show you real quick. Okay, I've written down a number. Voilà, donc c'est la fin de la partie tuto, donc c'est vraiment la première phase. Donc moi je l'avais déjà faite, donc là je l'ai fait, vous avez vu, j'ai descendu la rampe pour l'handicapé avant qu'il le demande, parce que je l'avais déjà faite avant. Mais voilà, elle permet en fait de se mettre dans le bain. Et du coup, l'idéal quand on commence une partie, c'est d'enquiller direct sur le système de mission. Donc le système de mission, le voilà, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc l'idée, c'est de préparer des itinéraires pour pouvoir, toujours pareil, gagner de l'argent, donc essayer de ne pas partir à perpète pour aller passer sur un point.
et puis vraiment programmer ses itinéraires pour éviter tant que possible les sens interdits, etc. Bon, on voit ça dans la prochaine vidéo, et on va pas faire peut-être 5 vidéos sur celui-là, je ne sais pas encore, sachant qu'en plus de ça, il y a un DLC qui vient de sortir, qui sort ce mercredi, donc qui étend en fait la map. Donc on va l'installer et puis on va regarder ça. Allez, je vous dis à très bientôt sur Simulagri.